C'est maintenant le moment de la période des questions orales. Je reconnais le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, hier, on a demandé au Premier ministre ce que les frais que le gouvernement veut imposer aux aînés pour les forcer à aller à un foyer de soins de longue durée où ils ne peuvent pas aller. Et il a dit, je peux vous garantir que ça ne sera pas 1 800 $. Est-ce que le Premier ministre va donner une garantie absolue qu'aucun aîné sera facturé ses frais? Réponse le ministre des Soins de longue durée. Merci, la seule personne qui a parlé de ces frais pour les aînés qui vont dans les foyers de soins de longue durée, c'est l'opposition. Ce sont les seuls qui ont parlé de ça. La chef de l'opposition, le porte-parole et les membres du Parti libéral et les médias, bien sûr. Et c'est tout ce qu'ils ont dit. On a dit dès le départ que l'objectif de ça, c'est d'assurer que ceux qui attendent pour passer à un foyer de soins de longue durée, qui sortiront d'un hôpital, auront de meilleurs résultats. Et c'est ce que ce projet de loi est censé faire. Et je suis content. C'est une autre mesure. Hier, c'était une autre mesure dans la voie pour améliorer la province de l'Ontario, ce qui a commencé avec les équipes santé et 58 nouveaux lits dans chaque région de la province, avec l'addition de 27 000 travailleurs dans les foyers de soins de longue durée, des hôpitaux partout dans la province. C'est une autre mesure pour rendre l'Ontario avoir le meilleur système de réseau de santé au pays. Question complémentaire? Au Premier ministre, ça semblait que ce n'était pas une garantie du Premier ministre. Ces chiffres, ces frais, ne sont pas peut-être très importants pour le Premier ministre, mais c'est littéralement une question de vie ou mort pour les aînés de toute la province. Le gouvernement impose le projet de loi 7 sans virtuellement aucun débat. Elle refuse d'entendre les familles, les travailleurs de première ligne qui disent que ce projet de loi va dévaster le domaine. Et le Premier ministre ne donne aucune garantie sur les frais qu'on va poser aux gens. Si on ne peut pas avoir une garantie, 1 800 n'est pas sur les livres. Combien est-ce que le Premier ministre pense que les aînés devraient payer? Réponse, le Premier ministre. Monsieur le Président, ce n'est pas le coût, c'est pour donner des soins de santé appropriés aux gens qui devraient être dans des soins de longue durée, pour différencier entre mettre un être cher dans un lit d'hôpital. Imaginez un lit d'hôpital. Quand il a des alarmes, il a tout le bruit pendant toute la nuit, et comparé de leur donner un foyer très beau, un foyer de soins de longue durée, où ils vont recevoir de soins appropriés. Je veux rappeler l'opposition. Ils prêchaient du haut de la montagne. Faites sortir les gens de l'hôpital. Ils continuent à répéter dans les médias. Tout d'un coup, maintenant, ils ont changé leur chanson. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Les gens qui ont été libérés de l'hôpital et doivent être dans un foyer avec des soins appropriés pour avoir une meilleure qualité de vie. Question complémentaire finale. Au Premier ministre, le Premier ministre fait des changements qui vont dévaster la vie des gens. Il ne va même pas répondre à des questions de base. Les aînés, on leur dit qu'ils doivent être passés à des kilomètres où ils seront obligés de payer des frais énormes. Des frais énormes que le Premier ministre ne sait pas ou n'est pas prêt à révéler. Est-ce que le Premier ministre fait la chose qui s'impose et admet que ce jeu dangereux est trop pressé et retirer le projet de loi 7? Réponse du Premier ministre. J'ai jamais vu tous les PDG qui étaient d'accord. Tous les travailleurs de première ligne, tous les médecins sont d'accord. Les seuls gens qui ne sont pas d'accord, c'est les néo-démocrates. Et ils changent d'un côté et de l'autre à chaque fois. Ils sont politiques, pas nous. On s'assure qu'on prend soin des gens qui ont besoin de soutien, qui ont besoin des soins aux patients. Ils auront de meilleurs soins dans un foyer de soins de longue durée que dans un lit d'hôpital. Même un des PDG a dit, c'est pas une bonne chose pour les patients à un autre niveau. Il faut donner
de soins appropriés. Comme le ministre Soins de longue durée dit, on va avoir 58 000 nouveaux lits pour ces aînés. Question suivante, la députée de Nicoba. Non, ma question est pour le Premier ministre. À des audiences que les néo-démocrates ont eues avec les travailleurs de première ligne, on a sonné l'alarme sur le projet de loi 7. Le projet de loi ne fait rien pour composer avec la crise des soins de longue durée et dotation personnelle, mais ça va forcer les aînés frêles à aller à des foyers à des milliers de kilomètres de leur famille. On se lève la question, est-ce que l'objectif c'est d'aider les patients ou c'est pour forcer les aînés à des foyers de soins de longue durée privés à but lucratif que personne ne veut vivre là. Le ministre des Soins de longue durée, les députés continuent à faire ça. On a entendu le député de Windsor hier. On va envoyer des gens de Windsor à Timmins. Contrairement, ce n'est pas le cas. On a entendu parler des frais énormes. Ce n'est pas le cas. Ils ont dit que c'est un nouveau problème, mais dans le rapport de la vérificatrice générale de 2012, on a dit, vu le vieillissement de la population, il faut avoir un processus meilleur pour placer les gens dans les foyers de soins de longue durée de façon cohérente. C'est critique. Elle a dit en disant, plusieurs études ont démontré que de rester à l'hôpital plus que médicalement nécessaire et inclus un temps d'un temps à l'hôpital pour des foyers de soins de longue durée peut causer beaucoup de problèmes à la santé. On peut avoir des infections comme le C. difficile et il y a une baisse des capacités vu qu'il n'y a pas d'activité. Elle a dit, 5 provinces ont une politique de première ligne. Ça, c'était en 2012, un rapport basé sur 2011. Rien n'a été fait en 12, 13, 14, 15, 16, rien. Question complémentaire, le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, les foyers de soins de longue durée qui ont les lits disponibles sont ceux où il y a le pire bilan pour le traitement des aînés. Orchardville est un foyer de soins de longue durée à but lucratif à Pékin, où les forces armées ont trouvé des résidents qui vivaient dans des régions horribles. Et la police a envisagé de poser des chefs d'accusation. Il n'y a pas de liste d'attente, pas 42 fois de plus que les foyers sont but lucratif de taille comparable. Ma question est la suivante. Si un patient ne veut pas aller dans une institution privée comme celle-là, pourquoi le gouvernement le forcerait? Le ministre des Soins de longue durée. C'est le même député, le même qui a dit qu'on allait forcer les gens à des chambres de 2 et 3 lits et 4. Ça n'a pas eu pendant les années 2012, 13, ça n'a pas eu lieu quand ils avaient le pouvoir. Ça a eu lieu sous ce gouvernement. Même député qui a dit qu'on enverrait des gens à des kilomètres de distance, pas vrai. N'a pas vrai à des lits, des chambres avec plusieurs lits. Ce qu'on a, c'est de meilleures ressources. On aide les aînés qui veulent avoir plus de soins, qui sont sur la liste d'attente, qui veulent être dans un foyer. Les experts disent que c'est mieux d'être là, dans un foyer de soins longue durée. C'est une autre mesure pour finalement contrer avec la crise des soins de longue durée et ça inclut de la dotation personnelle, de meilleurs soins. Il faut qu'ils soient de notre côté parce que le statu quo ne travaille pour personne. Question complémentaire finale. Merci encore une fois au Premier ministre. Que ça soit clair, 70 personnes sont décédées dans cet établissement. Plus de 70. Et ils ont eu des problèmes d'hydratation, des cafards, des moustiques partout. Ma question est la suivante. À plusieurs reprises, le gouvernement a aidé les foyers de soins de longue durée à but lucratif. Ils sont exemptés de responsabilités criminelles. Ils ont éliminé la demande des commissaires dans les... Et ont renouvelé les permis de 30 ans. Et maintenant, ils menacent les aînés avec des frais énormes. Est-ce que ce gouvernement croit vraiment que c'est juste pour les aînés et leurs familles? Il y a 5 000 personnes qui sont décédées sous votre gouvernement depuis 5 ans. Je demande aux députés d'adresser ses commentaires à la présidence. Réponse.
leader parlementaire, on a vu une amélioration des soins comme on n'a jamais vu sous notre gouvernement. Dans sa propre circonscription, il a 55 millions de dollars de plus pour des soins dans les foyers qui leur... Sous notre gouvernement, on a approuvé plus de 500 lits de soins de longue durée. Dans sa circonscription, tout ça, sous notre gouvernement, des investissements ont augmenté au niveau plus élevé pour des soins de santé. Sous sa gouvernement, un nouveau hôpital à Mississauga. Et des hôpitaux petits, moyens ont finalement les budgets qui sont équivalents aux grands hôpitaux. Sous notre gouvernement, le plus gros investissement à Ottawa, des nouveaux hôpitaux à Niagara. Sous sa gouvernement, 4 heures de soins pour les aînés. Sous sa, notre gouvernement, 58 000 nouveaux lits et remises à niveau. Et c'est ce qu'on fait sous notre gouvernement. Arrêtez la pandémie. Order. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Je vais demander au député de Windsor-West de revenir à l'ordre et le leader parlementaire du gouvernement. À l'ordre, s'il vous plaît. On va redémarrer la pendule. La députée. Non. La députée de Davenport. Merci. Cette question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, après 2 ans très difficiles, les élèves reviennent à l'école la semaine prochaine en ayant besoin de beaucoup de soins, de soutien. Heureusement, ils vont avoir un peu de ce soutien des travailleurs en éducation dévoués, des adjoints en éducation, des travailleurs des services alimentaires et d'autres travailleurs. Les contrats avec le syndicat canadien, est-ce que sont arrivent à la fin? Est-ce qu'on va embaucher pour que les élèves aient les soins nécessaires? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. On peut confirmer que sous ce gouvernement progressiste conservateur, on augmente la dotation personnelle de 3 000 personnes en suivant plus de gardiens, plus de concierges, plus de travailleurs pour avoir un septembre plus stable. Oui, on a plus de gens, mais en plus d'argent, on s'attend à de normes plus élevées pour nos enfants. Et les enfants doivent apprendre dans un environnement stable pour qu'il reste septembre jusqu'à juin dans une expérience normale et inclut les sports, les activités parascolaires pour bâtir les chefs de l'avenir. Notre intention, certes, est de s'assurer que ces enfants soient sur la bonne voie dans un plan de remise qui investit plus de 650 millions de dollars pour ce septembre pour assurer que ces enfants sont bien appuyés et qu'ils fassent un bon travail. Question complémentaire? Le gouvernement parle de la stabilité, mais la seule personne qui risque des problèmes, c'est ce ministre. Je veux revenir au Premier ministre. Le revenu moyen de ses travailleurs en éducation, c'est 39 000 $ par jour. 91 % disent qu'ils ont des difficultés financières et plus que la moitié doivent avoir un deuxième emploi. Est-ce que ce Premier ministre s'engage en augmentation de salaire pour qu'on puisse appuyer leurs familles, les travailleurs en éducation à chaque jour? Le ministre de l'Éducation, pour une réponse. Encore une fois, les démocrates et les libéraux abdiquent leur responsabilité. La députée n'a pas demandé quant à maintenir les enfants à l'école. On veut s'assurer de la stabilité des enfants et on devrait cibler les enfants. Il est bien temps que l'opposition commence à être sur la bonne voie avec cet impératif de stabilité. C'est pourquoi on a tiré de plus d'argent pour septembre et qu'on négocie en bonne foi d'avoir une bonne entente pour les travailleurs et pour nos familles. Et le principe qu'on va communiquer au syndicat, au conseil, c'est qu'on est avec nos enfants. Question complémentaire? Merci. Sabine et son mari sont des femmes, des infirmières enregistrées. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. La question suivante, la députée de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président.
Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Monsieur le Président, Peel a eu un nombre augmenté de crimes avec des armes à feu et j'aimerais aussi souhaiter bienvenue au chef Nish et directeur Peel. Et je veux remercier les gens d'uniforme de Peel, du leadership comme combattre la traite de personnes, santé mentale et sécurité communautaire. Merci. Malheureusement, ce n'est pas rare d'entendre dans les nouvelles qu'il y a des Ontariens, Ontariennes innocentes qui sont trouvés dans le, entre les tirs. Mississauga a connu une augmentation de la violence et de la criminalité des gangs. What is the Solicitor General? Qu'est-ce que la solliciteur générale pour combattre la violence avec les gangs à Peel? Le solliciteur général. Merci, Monsieur le Président, et j'apprécie la députée de Mississauga Centre qui m'a posé la question. Le droit de se sentir en sécurité chez et dans leur collectivité. On travaille avec les forces de l'ordre de toute la province pour maintenir l'Ontario en sécurité. Et notre gouvernement a investi plus de 200 millions de dollars pour combattre la violence à armes. Il y a 6 millions inclus dans ce pour des caméras en cercle fermé pour les municipalités et les Premières Nations. Et on investit plus de 257 millions de dollars au programme de subvention de services policiers et communautaires pour que la police puisse traiter des questions primordiales. Renforcer la sécurité publique de premier au dernier échelon. Question complémentaire, le député de Brampton-West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au solliciteur général. Mes concitoyens à Brampton-West sont concernés quant à l'activité criminelle à Peel, en particulier avec les armes de contrebande. À chaque fois, ils entendent dans les nouvelles qu'il y a la violence des gangs de rue, où il y a des trafics, des armes et des stupéfiants. Est-ce que le ministre peut dire qu'est-ce que est le plan de notre gouvernement pour arrêter la traite d'armes dans Peel? Le solliciteur général. Merci. Je suis content qu'on ait la question du député de Brampton-West parce que c'est une question importante. La sécurité communautaire, c'est toute priorité pour non seulement pour ceux qui appuient les services policiers en Ontario, mais pour toutes les familles ontariennes. Et depuis que notre gouvernement est arrivé au pouvoir, nous avons investi plus de 17 millions de dollars des bourses dans la région de Peel. En fait, le service régional de Peel a annoncé des résultats du travail dans le projet Warrior, guerrier. Et on a utilisé le financement par le ministre du solliciteur général, combiné avec du travail d'enquête, pour prendre 12 millions de dollars de stupéfiants illicites des rues. Je veux féliciter le chef de police. Arrêtez la pendule. Still time. Il y a encore du temps. Merci. Question suivante, la députée de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Sabrina et son mari Jack sont des infirmiers et infirmières enregistrés. Leur enfant de 4 ans a le diabète de type 2 et a commencé les activités préscolaires au mois de septembre. Et ce qui devrait être un temps emballant pour une famille, Sabrina aura à prendre un congé non payé afin d'administrer des médicaments pour son enfant à l'école. Hazel est sur une liste d'attente. Il n'y a pas une seule infirmière communautaire qui pourrait appuyer ses besoins quotidiennement à l'école. On fait face à une crise, une pénurie de la main-d'œuvre, alors qu'il y a déjà un manque de 30 000 infirmières. Est-ce qu'on va s'engager pour les infirmières dans les écoles pour que Sabrina et Jack n'aient pas à choisir entre leur famille et leur emploi? Vice-première ministre et ministre de la Santé, afin de répondre,
Je ne pourrai pas mettre l'accent sur tout le travail qu'on est en train de faire pour augmenter la dotation du personnel dans la province de l'Ontario, parce que sans aucun doute, et en Ontario et partout au monde, on fait face à une pénurie de la main-d'œuvre dans les systèmes de santé. Par contre, ce qu'on a vu ici en Ontario, et c'est qu'en investissant 35 millions de dollars pour augmenter les inscriptions dans les services infirmiers, on augmente le nombre de places pour permettre à ce qu'il y ait plus de 1130 infirmiers et infirmières. J'ai travaillé avec l'Ordre des médecins et des infirmiers et infirmières pour s'assurer que les personnes qui ont demandé de travailler ici en Ontario puissent, qu'on puisse revoir leurs demandes très rapidement. On va continuer de travailler parce que des personnes comme Hazel ont besoin d'avoir cette confiance que lorsque leur petite fille va à l'école, ils ont les ressources nécessaires pour qu'on puisse gérer, surveiller le diabète de cette fille. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au Premier ministre, d'augmenter le nombre d'infirmiers et infirmières pour Jack et Sabrina ne fonctionne pas en ce moment. Ce sont des infirmiers et infirmières et ils travaillent. Et il y aura un manque d'infirmiers et infirmières dans le milieu de travail parce qu'ils doivent s'occuper de leurs filles. Les travailleurs, les femmes qui travaillaient, ont dû rester à la maison et gérer les activités scolaires de leurs enfants. Et maintenant, tous ces effets sont ressentis maintenant en éducation. Tous les enfants ont le droit d'avoir des services en éducation équitables. Et tous les parents méritent de savoir que leurs enfants ont tous les services qu'ils ont besoin sans sacrifier leur carrière. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez vous engager à un plan pour que des femmes qui travaillent, telles que Sabrina, ne soient pas forcées de quitter la main-d'œuvre qui est déjà en situation de crise dans un système qui est déjà rompu? Ministre de l'Éducation, fait de répondre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député d'en face pour sa question. Nous sommes d'accord. Ces enfants devraient avoir accès à tous les professionnels qu'ils ont besoin. C'est pour cette raison que j'ai travaillé avec le ministre des Finances et avec le premier ministre pour doubler le nombre d'infirmiers et infirmières qui travaillent dans les écoles. 640 infirmiers et infirmières qui travaillent dans les écoles et les députés d'en face ont posé la question où sont-ils alors que les travailleurs de première ligne font une différence. Et on devrait être ravis de leur contribution envers nos communautés et nos enfants. C'est pour cette raison qu'on a doublé la subvention et le montant versé de 90 millions de dollars pour les enfants avec des besoins spéciaux. C'est le montant le plus élevé historiquement parce qu'on veut que ces enfants aient les services qu'ils méritent d'avoir. On va continuer d'investir les investissements, d'augmenter l'accès à ces professionnels et de travailler avec tous les ministères pour améliorer les services aux enfants dans la province. Prochaine question, député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Transports. Le coût de la congestion continue d'être ressenti parmi ses commettants. Cela touche notre économie et des milliards de dollars qui sont perdus en perte de temps et en manque de l'argent dépensé sur l'essence. Il y a aussi plus de collisions et de meilleures conditions sanitaires pour les personnes qui sont prises dans la congestion. Des experts ont déjà averti, nous ont averti que l'infrastructure n'est pas prête pour l'augmentation de la population d'ici les 20 prochaines années. Le statu quo n'est pas viable, surtout alors que tous les Ontariens décident de prendre leur voiture à l'heure de pointe. Qu'est-ce qu'on fait en tant que ministère pour bâtir cette infrastructure essentielle? Ministre des Transports. Merci, M. le Président, et merci au député de Brampton-Nord pour sa question. La congestion sur les autoroutes continue de frapper toutes les communautés en Ontario. Et pourquoi? C'est parce que des anciens gouvernements libéraux ont choisi de ne pas investir et ont choisi de ne pas bâtir. En dépit du fait qu'ils savaient qu'il y aurait une croissance fulgurante dans la province, on sait qu'il y a cette opposition idéologique envers les autoroutes et ça ne dessert pas les Ontariens.
Cette congestion ne va que s'empirer. La 401 est déjà l'autoroute la plus achalandée en Amérique du Nord. Et durant la prochaine décennie, toutes les autoroutes, ce qui comprend l'autoroute 407, vont excéder leur capacité durant l'heure de pointe. Sous le leadership de notre gouvernement, on est en train de faire ce que les libéraux ont refusé de faire et ce qui aurait dû être fait il y a des années, c'est de bâtir l'autoroute 413. Complémentaire. Merci. Madame la ministre, pour votre réponse, c'est très clair que la congestion routière coûte des milliards de dollars annuellement. En 2019, le National Post a signalé que Toronto était la ville qui augmentait en population le plus rapidement et était aussi l'endroit le plus congestionné. La région de Peel aussi fait face au même problème. Mes commettants mettent en valeur leur temps et de conduire est la façon la plus rapide de se déplacer. Et selon Statistique Canada, et Statistique de Canada a aussi démontré que de plus en plus de temps est perdu alors qu'on utilise nos voitures. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour trouver une solution à ce problème? Ministre des Transports, merci au député pour sa question. L'achalandage, la congestion ne va pas tout simplement disparaître. De construire l'autoroute 413, c'est le type de choses qu'on doit faire pour éviter la prochaine génération des conducteurs d'être pris dans la congestion routière. C'est un aspect clé pour notre plan pour permettre à ce qu'on soit de retour à la maison plus rapidement. Je suis ravi de tout le soutien qu'on a reçu pour ce projet, ce qui comprend de la part de le vice-président de l'UNOA, qui a dit que notre gouvernement continue de démontrer un leadership progressiste et d'investir dans des projets tels que l'autoroute 413 qui permettra de répondre à la croissance à l'avenir. Et Todd Lift, PDG de Chambre de commerce de Windsor, qui a félicité notre gouvernement de mettre la priorité sur des projets tels que l'autoroute 413. Comme on l'a vu durant la dernière élection, l'appui envers l'autoroute 413 est très fort et nous allons accomplir les choses. Ensuite, député de London West, merci. Ma question est au premier ministre. Au mois de février, Don Wilson, de 83 ans, a chuté et a eu une fracture, un os. Ensuite, on l'a transféré à un foyer de soins de longue durée où il y avait une éclosion de la COVID-19. Il y avait seulement deux PSSP. Une semaine plus tard, Don a chuté de son lit et a été réadmis à l'hôpital où, tragiquement, le 15 avril, il est décédé. Est-ce que c'est le type de traumatisme et de deuil que d'autres familles auxquelles les familles auront été confrontées avec le projet de loi 7? Fin de répondre, la ministre de la Santé. Vous savez, Madame, Monsieur le Président, chaque exemple est tragique lorsque ça entraîne le décès d'une personne, mais la députée parle du passé. Et nous nous concentrons sur les améliorations à l'avenir. On a dit et on a agi concernant les soins à domicile. Je parle souvent du fait qu'en tant que gouvernement, nous nous assurons que les hôpitaux ont la capacité, les soins communautaires ont la capacité, les soins de longue durée ont la capacité, les soins primaires aussi, on le fait grâce à des investissements. Et avec les soins à domicile, je voudrais mettre l'accent sur le milliard de dollars qu'on a ajouté dans le budget qui vont s'assurer que 739 soins et personnes seront pris en charge dans la communauté. 117 000 visites de thérapeutes, d'ergothérapeutes. Et c'est ce à quoi les Ontariens s'attendent et c'est ce qu'on est en train de leur offrir. Et complémentaire, lorsque l'épouse de Don, Jane Burgess, a entendu parler du projet de loi 7, a partagé l'histoire avec moi. Et on leur a dit qu'on allait transférer Don à un foyer de soins de longue durée. On ne leur a pas donné d'autres choix. Et Don continue de vivre avec la culpabilité qu'elle n'a pas dit non. Mais elle était accablée de pression et elle n'a pas dit non. C'était avant le projet de loi 7 qui permettait le pouvoir de placer une personne dans un foyer de soins de longue durée sans leur consentement. Aucune famille ne devrait subir cela. Et est-ce que le gouvernement va faire ce qu'il s'impose et de retirer le projet de loi 7? Le ministre de la Santé, vous savez,
Monsieur le Président, je pense que la députée d'en face oublie que le système de santé de manière générale doit travailler ensemble, coopérativement, pour le patient. C'est notre objectif en tant que gouvernement. Anthony Dale, de l'Association des soins palliatifs, et qui parle des autres niveaux de soins en disant que les professionnels de la santé sont prêts à travailler avec tous les professionnels de soutien pour le patient. On assure la transition des patients à domicile avec les soutiens nécessaires. On transfère ces patients dans des foyers de soins de longue durée avec tous les soutiens nécessaires. On accomplit les choses parce qu'on comprend que des patients avec un autre niveau de soins mérite mieux que d'attendre dans un hôpital pour attendre la prochaine transition dans leur vie. Prochaine question, député de Haldeman-Norfolk. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre des Transports. Le mois de mars dernier, sans explication, on a annoncé le remplacement du pont d'Argyle serait remis à plus tard. En 2021, on a établi que c'était en état de ruine. Et le pont a été complété en 1997, et ça fait un an et demi plus tard. Les approbations sont en place depuis plusieurs années, mais en dépit de cela, une parade a dû prendre une autre route en raison des préoccupations concernant le pont. On voudrait savoir ce qui fait en sorte qu'on remet à plus tard la construction de ce pont. Ministre des Transports. Merci pour la députée d'en face pour sa question. Je voudrais la rassurer que de compléter ce pont Argyle est une priorité pour notre gouvernement, comme elle l'a mentionné. C'est un pont centenaire et on doit le réhabiliter. Malheureusement, les libéraux avaient plus d'une décennie pour agir, mais ils n'ont rien fait. Et comme la députée le sait très bien, on est en train de tout faire pour parfaire le projet, car je le tire, ça comprend des consultations avec les Premières Nations qui pourraient être touchées par ce projet, ainsi que d'avoir d'autres projets avant-coureurs pour avant les travaux. Et cela va commencer cet automne. On est en train de compléter tous les travaux possibles avant de passer à la mise en chantier. Complémentaire, la route Argyle est essentielle pour la communauté et dessert des véhicules commerciaux et récréatifs. On a mis des feux alors qu'on a réduit le poids permis sur le pont. Le ministère a prétendu qu'on devait exproprier pour qu'on puisse reconstruire. Le ministère a chassé cette personne de sa maison, mais en dépit de cela, on n'a pas rien fait. Ça fait 20 ans que la communauté attend. Les gens de Caledonia veulent qu'un gouvernement agisse. Peut-être que ce sera celui-ci. On veut tous savoir ce qui empêche la mise en chantier de ce nouveau pont. Ministre des Transports, le ministère ne exproprie des terres que si c'est absolument nécessaire pour la construction d'un projet, et on veut traiter toutes ces personnes justement. L'expropriation est un dernier recours seulement. Alors que les travaux sont en cours, on a pris d'autres mesures pour préserver et protéger la sécurité des gens qui utilisent ce pont. Cela comprend aussi des restrictions pour les poids ainsi que de faire de la construction temporaire. On a fait beaucoup de progrès. La conception du pont, du remplacement, est déjà complétée. On est déjà en cours de processus pour atteindre les dernières approbations pour entamer les prochaines étapes de la construction. On ne prendra pas on ne coupera pas les coins ronds lorsqu'il s'agit des projets de construction. Député de Mississauga Centre, merci. Ma question est pour le ministre du Développement économique et du Commerce. Monsieur le Président, pendant plus d'une décennie, alors que c'était l'ancien gouvernement libéral qui était au pouvoir, les citoyens de Mississauga et de Peel ont été abandonnés. On a vu des emplois fuir la région, des projets d'infrastructure qui devaient être réparés n'étaient jamais une priorité sous les libéraux. Plusieurs de mes commettants n'ont pas pu avoir un bon emploi.
Le chômage chez les jeunes était pire que dans des États tels que l'Indiana et l'Ohio. Mon frère, spécialiste dans le secteur de l'automobile, a quitté la province il y a 6 ans en raison de manque d'occasions économiques et s'est établi en Colombie-Britannique. On aurait pu utiliser ses compétences ici en Ontario. Les citoyens de Mississauga travaillent très fort et font des sacrifices à tous les jours pour faire en sorte que l'Ontario soit meilleur. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour s'assurer que mes commettants ont de bons emplois pour eux-mêmes et pour leurs enfants les années à venir? Ministre du Développement économique, du commerce et de l'emploi, les néo-démocrates ont abandonné le secteur de la fabrication. Voici leur intention réelle, je cite, de faire la transition de la production des biens au secteur des services. Voilà ce qui était leur intention, mais on a changé tout ça en réduisant le coût des affaires de 7 milliards de dollars annuellement. On a réduit les taxes, réduit les fardeaux administratifs et réduit les taux en électricité. C'est pour cette raison qu'on continue d'investir à Mississauga. Cyclone a investi 21 millions de dollars pour relocaliser un projet des États-Unis ici et créer 60 emplois aéronautiques. Une autre entreprise a investi 7,5 millions de dollars pour augmenter leurs exploitations, leurs opérations. Il y a des douzaines de fabricants de pièces automobiles qui ont décidé d'investir ici en Ontario. Mississauga est un autre endroit où les gens continuent d'investir. Complémentaire. Merci. C'est très encourageant que notre gouvernement se concentre sur des investissements qui protègent Mississauga et la région de Peel et le secteur des technologies et des technologies avancées. Ce sont des investissements de milliards de dollars qui sont possibles seulement pour de grandes entreprises. Alors que ces grandes entreprises emploient des milliers de personnes dans ma circonscription, qu'en est-il des petites entreprises et des entreprises embryonnaires? Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre province. Je sais que plusieurs petites entreprises telles que l'Oma Pasta et les boulangeries de Mississauga sont essentielles pour ma circonscription, mais nous savons aussi que c'est un travail très difficile de se lancer en affaires. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour aider les entrepreneurs pour qu'ils puissent faire croître leurs entreprises? Ministre, les petites entreprises représentent 98 % de notre économie et assurent les emplois de milliers de familles. Mais pendant des années, les néo-démocrates et les libéraux ont fait en sorte que c'était plus difficile pour être un propriétaire d'une jeune entreprise. Nous sommes en train de renverser cette ère des libéraux et des néo-démocrates qui étaient contre les entrepreneurs. Avec notre soutien, les entrepreneurs de Mississauga ont maintenant tous les outils nécessaires pour faire croître leurs entreprises. Il y a le centre des entreprises qu'on leur a offert des milliers de dollars pour appuyer les petites entreprises, 112 000 $ pour appuyer les entreprises d'été. Ce sont des entreprises qui aident les étudiants, les jeunes entrepreneurs, de se lancer en affaires. On veut que les entrepreneurs sachent qu'on les comprend et qu'on appuie pleinement leur succès. Prochaine question, député de Hamilton Mountain. Merci. Ma question est au premier ministre. Judy, qui habite dans un foyer de soins longue durée à Hamilton, est entrée en contact avec mon bureau et ses préoccupations sont alarmantes. Judy me dit que les travailleurs sont épuisés. La plupart travaillent 2/4 en raison de la pénurie du personnel. Il y a un soir, il y avait un seul PSSP sur son étage. Elle devait travailler seule jusqu'à 4 heures le matin lorsque un infirmier, infirmière est venu d'une agence privée. Heureusement, aucun des 27 résidents, ce qui comprend Judy, a eu une urgence médicale, une chute ou quelque chose de pire. Qu'est-ce que le premier ministre est en train de faire pour s'assurer que ces foyers ont la dotation du personnel nécessaire pour être en sécurité et qu'on a promis aux proches le nombre de membres du personnel qu'on leur a promis?
Ministre des Soins de longue durée, réponse, encore une fois, on a commencé à améliorer la dotation du personnel durant le dernier Parlement. Il y a 4,9 milliards de dollars qu'on a investis. On est le premier gouvernement en Amérique du Nord qui offre 4 heures de soins et la députée a voté contre cette augmentation de la dotation du personnel et qu'elle a voté contre la dotation, l'augmentation de la dotation du personnel des foyers dans sa propre circonscription. La députée a fait partie d'un groupe parlementaire qui a appuyé les libéraux entre 2009 et 2018. En dépit d'un rapport de la vérificatrice générale en suggérant qu'on devait en faire plus pour les soins de longue durée en 2012. Les derniers 3 mandats libéraux ont seulement ajouté 6 minutes aux services offerts aux résidents des foyers de soins de longue durée. C'est tout à fait honteux. Nous allons offrir 4 heures grâce aux investissements que nous apportons dans le secteur. Complémentaire. Ce ministre, je vais voter contre ces mauvais projets de loi à chaque reprise qui comprend le projet de loi 7, ne pas abroger le projet de loi 124 et d'approuver la transition des autres niveaux de soins au foyer de soins de longue durée ne réglera pas la situation. Les PSSP sont nerveux et ont peur qu'ils ne pourront pas offrir les soins nécessaires. Judy me dit que elle est préoccupée concernant ses voisins, d'autres personnes âgées et soignants qui visitent quotidiennement pour combler les écarts. Sa demande a été très claire. Monsieur le Premier ministre, quand est-ce que vous allez admettre la réalité dans les soins de longue durée et appuyer les travailleurs de la santé sur lesquels les résidents tels que Judy dépendent? Veuillez arrêter la pendule. Député de Niagara Centre et Kitchener-Conestoga, rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Député ministre des Soins de longue durée, la députée va voter contre les améliorations en soins de longue durée parce qu'elle a voté contre les augmentations dans la capacité des soins de longue durée dans sa propre circonscription. Plus de lits, elle a voté contre. Elle a parlé de la loi. Et ce que cela accomplit, c'est qu'un patient qui va recevoir son congé, on peut trouver un foyer approprié conformément à ses besoins. Donc, ce qu'elle aborde, c'est justement l'objectif de la loi de se pencher sur les services que la personne a besoin et est-ce que les foyers de soins de longue durée ont les services nécessaires pour prendre en compte leurs besoins et de leur offrir de meilleurs soins. Cela comprend aussi 5 millions en soutien cette année pour des services de complément, 2,6 millions de dollars pour un partenariat avec Baycrest, qui ont des services à la fine pointe de la technologie en complément, et 20 millions de dollars, un fonds d'investissement de priorité locale pour s'assurer que tous les foyers de soins de longue durée ont tous les services nécessaires pour la personne âgée qui sera placée. Prochaine question. Député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre, mais comme étant, est entré en contact avec mon bureau pour exprimer une préoccupation. Encore une fois, désolé. Prochaine question. Monsieur le Président, l'Ontario a plus de 370 000 postes vacants et il y a un besoin criant pour remplacer des personnes qui s'en vont à la retraite. Selon un rapport du Forum des apprentis du Canada, suggère qu'on doit recruter 300 000 nouvelles personnes, des apprentis dans les métiers spécialisés durant la prochaine décennie, juste pour maintenir le rythme avec le nombre de retraites. De former ces gens dans les métiers spécialisés est essentiel et on doit faire la promotion des métiers spécialisés au sein des jeunes. Qu'est-ce que le ministre du Travail et du Développement des compétences est en train de faire pour aider plus de jeunes personnes à commencer des carrières dans les métiers spécialisés? Ministre du Travail, de l'Immigration, du Développement professionnel, je voudrais remercier les députés d'Essex d'être une voix si forte pour de bons emplois, une meilleure rémunération de ces emplois. Contrairement aux députés des autres partis qui veulent éliminer les bons emplois,
bien en demande. Nous savons que dans les métiers spécialisés, ce sont des héros et qu'on en a besoin de plus. C'est pour cette raison qu'on mène, lorsqu'il s'agit d'un investissement historique de 1 milliard de dollars d'ici les 3 prochaines années, avec cette augmentation du financement, on travaille avec des employeurs et nos partenaires dans le travail pour réduire les préjugés contre ces métiers. Vous avez un métier dans les métiers spécialisés, vous avez un emploi pour toute la vie et vous pouvez être fier de ce que vous construisez. Complémentaire. Au ministre, encore une fois, traditionnellement, les femmes représentent moins de 10% des travailleurs des métiers spécialisés et ça ne suffit pas. Alors qu'on fait face à une pénurie de la main-d'œuvre, d'attirer des femmes dans les métiers spécialisés sera très important pour réduire cet écart. Mes commettants à Essex sont très contents que ce gouvernement et ce ministre offrent une formation gratuite pour 500 personnes de groupes sous-représentés dans les métiers spécialisés, surtout les femmes. Donc, comment est-ce que cet investissement permettre de réduire les préjugés, surtout concernant les femmes, et de réduire d'autres barrières pour d'autres groupes sous-représentés dans les métiers spécialisés, de permettre à ce que ces gens puissent s'ajouter à cette main-d'œuvre et décrocher un emploi? Ministre du Travail, c'est une très bonne question, Monsieur le Président. On travaille tous les jours pour offrir plus d'occasions à un grand nombre de personnes. Les programmes pré-apprentis, comme le député a mentionné, ça permet aux gens de quitter des programmes tels que le POSPH. Une femme comme Natisha, une mère célibataire, qui a pu se trouver un emploi dans les métiers spécialisés grâce au programme Hammerheads. Elle gagne maintenant 44 $ de l'heure avec un régime de pension et c'est une carrière très enrichissante pour Natisha. Elle a pu s'acheter une voiture et elle m'a dit que c'est la première fois dans sa vie que ses enfants l'admirent. On a besoin de d'autres histoires telles que l'histoire de Natisha. C'est pour cette raison qu'on est en train de mettre tous les efforts pour permettre à ce que des gens décrochent un emploi enrichissant que celui-ci. Député de Toronto Centre, j'ai une question au premier ministre. Il y a une commettante qui est entrée en contact avec moi concernant les températures accablantes dans son appartement. Il y avait des températures de 46 Celsius. Les gens vont s'évanouir en raison de cette chaleur accablante. La Commission des droits de la personne a décidé que l'accès à l'air climatisé est un enjeu de droits de la personne. Est-ce que le premier ministre va se conformer aux demandes de la Commission des droits de la personne afin d'assurer qu'il y ait une température maximale dans les appartements de la province? Ministre du Logement et des Affaires rurales, merci à la députée pour sa question. Nous apprécions tous les travaux de la Commission des droits de la personne. Comme on l'a dit, on a pris une décision concernant les températures maximales dans les appartements qui a été prise par la Commission des droits de la personne et on prend très au sérieux cette décision, surtout lorsqu'on envisage des modifications à la loi. Député de University Rosedale, merci encore une fois. Ma question est pour le ministre du Logement et des Affaires rurales. Je voudrais citer la Commission des droits de la personne. L'accès à la climatisation est un enjeu de droits de la personne, surtout pour les personnes vivant avec un handicap ou pour les personnes racisées et d'autres communautés vulnérables. Et ces problèmes sont exacerbés par d'autres problèmes tels que la pauvreté. Nous demandons au gouvernement de l'Ontario d'assurer que l'air climatisé est essentiel en vertu de la loi. Plus de 4 000 personnes sont décédées en Colombie-Britannique durant la dernière vague de chaleur. La grande majorité d'entre eux étaient des personnes âgées qui vivaient seules dans des appartements qui n'avaient pas l'air climatisé. Est-ce que ce gouvernement va écouter la Commission des droits de la personne et de faire en sorte que l'air climatisé soit un service essentiel et d'établir une température maximale dans les maisons? Merci. Merci, M. le Président. Je remercie la députée
de ses commentaires et de son intérêt. Par rapport à cela, et aussi, elle a offert plusieurs recommandations dans le secteur du logement et nous apprécions cela. Nous souhaitons que son parti et elle-même vont considérer les amendements et les propositions que nous avons créées. Nous avons pris la parole pour les locataires à maintes reprises dans cette Chambre et son parti a voté contre ces mesures. À chaque fois que nous voulons défendre ces locataires, sévir les propriétaires qui font de l'abus aux locataires, son parti a voté contre cela. Alors, je pose la question à la députée. Est-ce que vous allez continuer à appuyer est-ce que voulez-vous nous appuyer et continuer à faire partie de la réussite de la province? Prochaine question. Depuis les années 1980, les femmes qui sont comprises dans le secteur des métiers spécialisés sont de moins de 5%. Plusieurs femmes... Et la raison pour laquelle, c'est parce qu'il n'y a pas un taux de rétention qui est élevé. C'est la raison pour laquelle nous devons augmenter les représentations dans ce secteur des métiers spécialisés. Nous faisons face en Ontario à une crise et nous avons besoin de toute l'aide possible pour rebâtir et relancer ce secteur. Est-ce que le ministre allié aux affaires des femmes peut nous dire quels sont les efforts qui ont été entrepris afin d'aider aux femmes à avoir accès à ces services? Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. J'ai parlé à une femme nommée Sophie qui m'a dit qu'elle a dû laisser son partenaire sans emploi, sans stabilité financière, et elle s'est rendue à un refuge qui l'a permis d'avoir accès au métier de menuisier. Et aujourd'hui, elle est une personne qui a une carrière réussie. Et elle a dit que si vous me voyez, vous pouvez aussi suivre mes exemples. Et elle encourage à d'autres femmes afin d'arriver à ce même type de succès. Et grâce à nos investissements, nous pouvons voir la réussite dans la vie de Sophie. Et nous devons permettre à ce que plus de femmes puissent suivre cette trace et de changer ce métier de commerce. Je l'ai mentionné plusieurs fois. Les femmes doivent être dans tous les débats, dans toutes les tables, dans tous les secteurs complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre associé des perspectives sociales et économiques pour les femmes. Les emplois ont des demandes élevées et d'ici 2025, il y aura des augmentations dans les demandes. Je me rappelle, lorsqu'on s'est rendu à Ottawa, nous avons vu plusieurs femmes dans ce métier et aussi dans l'association d'acier. Donc, est-ce que la ministre peut nous partager des détails de ce gouvernement à adopter afin d'encourager aux femmes de se rendre aux métiers spécialisés? Ministre associé des perspectives sociales et économiques pour les femmes. Merci, M. le Président. Merci pour la question. Notre gouvernement a investi plusieurs millions de dollars dans ce secteur, environ 200 millions dans l'année 2021-2022, et plusieurs autres investissements, 114 millions de dollars dans les trois années à venir. Et en tout, ce sera un investissement de 23 millions de dollars pour améliorer le programme d'entrepreneuriat pour les femmes qui aidera à ces femmes et à ces jeunes filles de se diriger vers ces carrières afin d'atteindre la stabilité financière. De plus, les écoles peuvent faire des demandes additionnelles pour avoir accès à plus de fonds et c'est la raison pour laquelle il est impératif et crucial que tous les députés appuient le budget de 2022
afin d'aider à ces femmes de progresser l'économie ontarienne. Je pose la question au Premier ministre. Monsieur le Président, plusieurs de mes commettants m'ont contacté parce qu'ils étaient horrifiés de la privatisation dans le système du Conseil du Trésor. Ryan m'a envoyé une lettre qu'un service aurait coûté environ un quart de million de dollars. Et il y a une situation, une crise qui continue à être détériorée dans le système de la santé. Donc, est-ce que le gouvernement va continuer à effondrer le système de la santé avec cette privatisation? Du moins, est-ce que vous voulez résoudre la solution, le problème? Merci pour la question. Je veux souligner les 7 points que nous avons mis en place dans notre plan pour être novateur dans le système de la santé. Par exemple, pour réduire les pressions dans le système, nous voulons investir des millions de dollars pour avoir accès aux urgences et pour la relance dans ce secteur. Nous encourageons cela et ces idées continuent à être disponibles afin que les résidents peuvent avoir accès à ces fonds lorsqu'ils en ont besoin et là où ils en ont besoin. Complémentaire, je repose la question au Premier ministre. Par votre entremise, un plan d'environ 6 éléments n'est pas suffisant. Il faut en fait abroger le projet de loi 124, le sous-financement de 1,8 milliard de dollars dans le secteur de la santé a été très significatif l'année dernière et ce gouvernement a continué à alimenter cette crise afin de promouvoir la privatisation. Eder m'a envoyé une lettre par rapport à son père qui a été forcé à être relogé dans un foyer de soins de longue durée, ce qui coûte des milliers de dollars par mois. Est-ce que ce gouvernement va continuer à aider au secteur privé à bénéficier de cette crise au lieu de payer à ses héros, à ses professionnels de santé, ce qu'ils méritent? Ministre de la Santé, le député de l'autre côté, n'est pas véridique. Il y a actuellement dans la province de l'Ontario environ 400 de médecins et de professionnels qui sont disponibles dans la région. Et lorsque ces professionnels veulent pratiquer dans la province et ont soumis leur demande à l'ordre des infirmiers et des infirmières ou à l'ordre des médecins de l'Ontario, ces demandes seront évaluées et seront révisées rapidement afin d'exercer leurs fonctions. Nous savons que plusieurs personnes en Ontario veulent travailler dans la santé, dans le système de la santé en Ontario et nous allons continuer à avoir des mesures accélérées pour les permettre de le faire. Député de Windsor-Tecumseh. La question pour la ministre des Affaires francophones. Monsieur le Président, la pandémie a eu des répercussions importantes sur les petites entreprises de toute la province, dont plusieurs dans les communautés francophones. Pour beaucoup, ils sont encore confrontés aujourd'hui à des défis dans le cadre des problèmes de chaîne d'approvisionnement économique mondiale. J'ai entendu des histoires d'électeurs de ma circonscription à Windsor-Tecumseh et de nombreuses entreprises et groupes communautaires francophones qui ont eu du mal à joindre les deux bouts pendant cette période et comptaient sur le soutien de notre gouvernement pour rester à flot. Nous devons nous assurer de donner des outils aux Ontariens, y compris les Franco-Ontariens, qui souhaitent contribuer à l'économie de notre province. Monsieur le Président, la ministre des Affaires francophones peut-elle expliquer ce que fait notre gouvernement pour soutenir les entreprises francophones alors que nous sortons de cette période d'incertitude économique? Merci, Monsieur le Président, et je remercie le député de Windsor-Tecumseh pour sa question. En plus de la création du fonds de secours COVID-19 qui a soutenu les organismes francophones sans but lucratif pendant la pandémie, notre gouvernement a aussi bonifié le programme d'appui à la francophonie ontarienne, le PAFO, en le doublant. Nous avons aussi mis sur pied la stratégie de développement économique francophone, avec maintenant 38 programmes permettant de mieux appuyer les entrepreneurs francophones.
Le programme d'appui à la francophonie ontarienne vise à soutenir le développement à long terme des communautés francophones de l'Ontario. Grâce à une enveloppe budgétaire maintenant de 2 millions de dollars, Monsieur le Président, ce programme appuie le dynamisme des communautés francophones au niveau local et au niveau régional. De plus, l'accès à une main-d'œuvre bilingue qualifiée est un défi réel pour nos entreprises. Et c'est pour cette raison que notre gouvernement demande au gouvernement fédéral plus de contrôle sur l'immigration pour qu'on puisse appuyer leur opération et leur croissance. Supplementary question. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président, la population francophone de l'Ontario est une composante essentielle de notre composition culturelle. C'est pourquoi nous devons promouvoir la francophonie ontarienne comme un atout économique important dans la croissance de l'économie de la province. Ce faisant, nous pouvons nous assurer que nous améliorons le réseautage entre les entreprises, les entrepreneurs et les organisations essentielles pour augmenter les opportunités commerciales et les alliances stratégiques. Monsieur le Président, la ministre pourrait-elle nous parler des avantages économiques du premier réseau provincial d'affaires franco-ontarien? Ministre Francophone Affairs. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement apporte des solutions concrètes en reconnaissant l'atout économique important que représente la francophonie ontarienne. En 2020-2021, par le biais d'un investissement initial de 500 000 $, nous avons soutenu la création de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, de ses services de conciergerie et de sa plateforme de marketing en ligne Quartier d'affaires, qui soutient la promotion des biens et des services des entreprises franco-ontariennes. Depuis, grâce à un investissement de 1,5 million de $ sur 3 ans, l'Ontario élargit la gamme de services de soutien aux entreprises et aux entrepreneurs francophones. Ces initiatives, Monsieur le Président, visent à aider les entreprises francophones de l'Ontario à saisir les occasions d'affaires ici et dans les marchés francophones à l'extérieur de l'Ontario et à faire rayonner la francophonie dans nos communautés et aussi au-delà de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au Premier ministre. Le 31 août, nous voulons reconnaître le jour de surdose pour honorer ceux qui sont décédés suite à la crise d'opioïdes. Plusieurs personnes sont décédées. Il y a eu 96 % d'augmentation d'intoxication et de décès comparément à l'année précédente. Les taux de décès sont quand même élevés. Il y a des sentiments d'isolement, de stress. Il n'y a pas assez d'accès pour ceux et celles qui utilisent ces drogues, ce qui a aidé à empirer cette crise. Dans ma circonscription, l'opioïde et des groupes de défense ont déjà lancé plusieurs alertes par rapport à la surdose. En 2021, 60 personnes sont décédées suite à cette crise. Combien de vies doivent être perdues avant que ce gouvernement puisse répondre à cette crise? Ministre de la Santé et de la Santé mentale et des dépendances, Monsieur le Président, hier, c'était le jour pour honorer la santé mentale et je veux débuter par reconnaître toutes ces familles qui ont perdu leurs proches à cause de cette crise. Je veux m'accentuer sur ce que nous avons fait, les investissements en tant que gouvernement par rapport à ce financement de 90 millions de $ afin de s'assurer que le support et le soutien sont nécessaires et disponibles pour ceux qui en ont besoin. Ce sont des investissements qui sont accomplis par le gouvernement parce que nous savons qu'ils sont essentiels pour répondre aux questions de santé mentale et de dépendance. Ce gouvernement aussi, qui accomplit des investissements historiques comparément aux autres gouvernements précédents qui ont effondré l'Ontario et n'ont pas fourni des services essentiels. Alors pour nous, il est essentiel de penser à ces personnes qui sont sujettes à des surdoses et d'avoir accès à ces services en dépit de leur emplacement en Ontario. Merci. La période de questions est terminée pour ce matin. Nous avons un vote différé par rapport
à la motion de la troisième lecture du projet de loi 7, loi modifiant la loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée en ce qui concerne les patients ayant besoin d'un niveau de soins différent et d'autres questions et apportant une modification corrélative à la loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. Convoquez les députés, il y aura une sonnerie de 5 minutes.